Vi kender efterhånden billederne, de gule veste på gaden. Oprøret mod præsident Macron begyndte fra bunden af Frankrig. Jeg bor og arbejder midt i urolighederne, og jeg følger oprøret med blandede følelser. Jeg har fået ordentligt mundfuld. Hver dag er vi millioner mennesker i Frankrig, der spørger os selv, hvordan skal det her ende? Det er mere end 4 måneder siden, at Frankrig begyndte at stå i flammer. I mit forsøg på at forstå, hvor de gule vestes oprør det er på vej hen, begynder jeg i det fattige Nordfrankrig. Vi er på vej hjem til Ingrid Levavasseur. Hun er en af Frankrigs mest berømte gule veste. Så er hun altså heroppe fra Normandiet, netop en af de regioner, hvor de gule veste stod stærkest, da oprøret det brød ud. Jeg håber, hun er hjemme. Der ser ret mørkt ud. Ah, bonjour Ingrid. Comment allez-vous? Très bien. Je m'appelle Levavasseur Ingrid, j'ai 31 ans, je suis diplômée aide-soignante, actuellement au chômage et également sapeur-pompier volontaire. Det her er en af Frankrigs mest kendte trafikveste. Voilà, il est là. Alors, ras-le-bol, aide-soignante payée 1250 net par mois pendant que les actionnaires s'en foutent plein les poches. Macron le roi est avec les nobles pendant que le peuple vive la... Crève la gueule ouverte. C'est presque des paroles de révolution, non? Au départ, c'est vraiment ce que je pensais. Et puis on a la sensation que Macron, c'est un peu le monarque et que oui, il fonctionne uniquement avec les nobles et qu'il oublie le peuple. Puis il y a du sang, voilà. Il est taché, il est sale. Le sang, ça vient d'où ? C'est Charles qui a reçu un tir de flashball en pleine tête. Plaie ouverte, on voyait la boîte crânienne. Voilà, donc on lui a porté secours et puis... Ingrid Levavasseur a voksé op i en fattig skilsmissefamilie med sine 3 søskende. Avec mon père. Là, j'étais là. Hun gik ud af skolen efter 9. klasse og blev mor for første gang som 17-årig. Je voulais être sage-femme. Et à l'époque, de toute façon, ma mère m'a pas forcément laissé le choix. Pour elle, les études, c'était inenvisageable, de par leur coût. Donc voilà, c'était l'apprentissage. Il fallait travailler vite et gagner de l'argent vite. Donc je me suis retrouvée monomaman dès l'âge de 23 ans. Il faut être ingénieux quand on est pauvre. Il faut pouvoir se dire, je fais un petit plat avec n'importe quoi. Voilà, avec du riz, avec du maïs, voilà. Je vais faire une petite poêlée et puis voilà. Moi, il y a des fois où, notamment quand je suis toute seule, je mange pas à tous les repas. Revolutionen ruller i årene. I Danmark kan vi lide konsensus, i Frankrig kan de lide konfrontation. Franskmændene har protesteret og demonstreret og strejket, så længe jeg kan huske. Som dengang landmændene i 80'erne og 90'erne blokerede vejene i flere uger, fordi kornpriserne faldt. Så på en måde er det ikke overraskende, at en ny protestbevægelse har meldt sin ankomst. Il n'y a aucun gouvernement qui a mis en place une telle trajectoire carbone, essence et de fermeture de production comme celle qu'on a faite. Il n'y a aucun gouvernement. Det hele begyndte tilbage i november sidste år. Her annoncerede præsident Macron en klimaskat, der hævede priserne på benzin og diesel, så en liter steg til mere end 10 kroner. Og det gjorde ondt i privatøkonomien i et Frankrig, hvor den store befolkning i landområderne kører mange kilometer i bil på arbejde. I protest tog den fattige middelklasse en gul trafikvest på og blokerede vejene rundt omkring i landet. Utilfredsheden har luret længe, i årtier faktisk. Den sociale ulighed her i Frankrig, den er massiv. Lad os bare lige prøve at kigge på 3 tal.
8,8 millioner franskmænd, de lever under fattigdomsgrænsen. Det vil sige, de lever for mindre end 7.600 kroner om måneden. Hver femte franskmand har ikke råd til 3 måltider mad om dagen. Og så er der arbejdsløsheden. Den er næsten dobbelt så stor hernede, som den er hjemme i Danmark. Den er over 9%. Men for de unge, der ser det meget værre ud, der er arbejdsløsheden helt op over 25%. Den første store demonstration fandt sted den 17. november. Flere end 280.000 vrede mennesker gik ud i de franske gader. En ny bevægelse var født. À ce moment-là, je travaillais dans un service de soins à domicile et je faisais 900 km par mois pour aller travailler. Donc pour moi, l'augmentation, ça aurait été encore un budget impacté et pour c'était plus possible. C'était trop, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il y avait énormément, on était plus de 300 personnes. Et en fait, on se garait au fur et à mesure sur le parking et on était tous avec nos klaxons, à klaxonner un peu comme un mariage. Et en fait, je me suis dit, waouh, on est nombreux. Et quand on a commencé à marcher, on était un petit peu comme des petits soldats, on était fiers de nous. Bevægelsen vokser. Den har ingen leder, ingen samlede krav, intet hovedkvarter. Vestene, de finder hinanden på gaderne og på de sociale medier. Indtil nu havde Ingrid Levavasseur og tusinder andre fattige følt sig usynlige i det franske samfund. Pludselig bliver de set af hele Europa. Det er ved en tilfældighed, at Ingrid Levavasseur bliver en af oprørets frontfigurer. Ma première interview, c'était au péage de Bouville. C'était le 22 novembre, donc 5 jours après le début. Un journaliste a crevé son pneu de voiture et donc s'est garé en attendant la dépanneuse et il s'est dit bah tiens je vais aller interviewer les gilets jaunes. J'avais l'impression d'être en parallèle de ma vie, c'est-à-dire que je disais à des millions de Français la réalité et là je me suis libérée de la honte. Maintenant bah oui c'est la vérité quoi, c'est comme ça, je peux pas mentir sur ce que je gagne quoi. Med en helt ny selvtillid beslutter Ingrid Levavasseur at stille op til Europaparlamentsvalget i maj måned. En beslutning, der får konsekvenser. Den 1. november lørdag med demonstrationer forløber nogenlunde fredeligt. Men så begynder det at gå galt. On est en train de craver sous les gaz lacrymaux. C'est terrible. De næste uger er der kampe med politiet i byer som Toulouse, Bordeaux, Nantes og Paris. En presset præsident forsøger i december at komme demonstranterne i møde ved at forhøje mindstelønnen, droppe planlagte afgifter for de fattigste pensionister og indefryse den famøse klimaskat på brændstof. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. Men det er kun begyndelsen på en lang og bitter styrkeprøve mellem vestene og præsidenten. For demonstranterne, de vil have mere. De vil have højere lønninger i de dårligst betalte jobs. De vil have mere indflydelse på samfundet gennem flere folkeafstemninger. De vil have hårdere beskatning af landets rigeste. Carrément le Bruce Springsteen des gilets jaunes là. For omverdenen, der var Emmanuel Macron en politisk vidunderdreng, da han trådte ind på scenen, direkte fra bankverdenen og fra en kort kometkarriere i Finansministeriet. Franskmændene lod tvivlen komme ham til gode, men de fortrød hurtigt. Arrête de déconner Macron. Avec 1200 euros, on peut pas vivre nous. On en a ras le bol, merde. De kalder ham solkongen. Præsidenten, der med den ene hånd tvinger befolkningen gennem hårde reformer af arbejdsmarkedet og pensionssystemet, mens han med den anden hånd bruger 190.000 kroner på egen personlig make-up-artist og tager på skiferie, mens de gule veste de demonstrerer.
vous n'avez pas le sentiment qu'on vous écoute. On nous écoute pas. Ça fait 17 trucs qu'on fait. Il n'y a rien. Il a augmenté encore l'essence. Moi, j'étais mettre tout à l'heure du gasoil. J'ai payé 40 euros. Ils mentent tout le temps, ces gens-là, les politicards. C'est pour ça qu'on en a ras le bol. Et les Français, j'espère qu'ils vont se réveiller. Et c'est urgent parce qu'il faut augmenter vite les salaires. Il y en a ras le bol, hein, parce que ça va finir avec les armes. Som I kan se, så skærmer de sidevejene af for at holde kontrol over folkemængden, og så bevæger vi os altså i sådan nogle små hug. Så længe politiet har alle demonstranterne samlet her, så er der simpelthen mere styr på situationen. Sådan ser Frankrig ud lørdag efter lørdag. Flere end 9.000 demonstranter er blevet anholdt, 1.500 betjente er blevet såret, og politiet har skudt flere end 200 personer med store gummikugler og blevet skarpt kritiseret for overdreven magtanvendelse. Nous utilisons ces armes-là pour maintenir les personnes à distance, pour éviter d'avoir à utiliser notre arme de service ou les matraques qui causent aussi des blessures extrêmement importantes. Ça n'a pas été excessif, ça a été nécessaire, mais il faut bien voir que malgré cela, il y a toujours des choses que nous pouvons améliorer. Ingrid Levavasseur ankommer til Paris til nogle travle dage. Est-ce que vous avez l'habitude d'habiter à l'hôtel? Non, jamais. Je vais jamais à l'hôtel. Même quand je pars en vacances, je vais pas à l'hôtel. Moi, je fais du camping dans une tente. Vous ne pouvez plus être dans la situation où quand dans un pays il y a par exemple un salaire minimum, vous employez des gens en faisant fi de celui-ci. Oui, je crois qu'en fait, il aurait dû inclure déception dans son programme électoral puisque en fait, c'est ni plus ni moins que de la déception. Vous pouvez aller partout. Tout le monde est déçu, ouais, déçu. Blandt de gule veste er der fraktioner, som ikke bare vil vælte Macron-regeringen. De vil have anarki. Så da Ingrid offentliggør sit kandidatur til Europaparlamentet, vender stemningen mod hende. Nogle ser hende pludselig som en del af den forhatte elite. Il vous insulte, mais gravement. Ouais, c'est grave, c'est très très grave. En fait, quand à ce moment-là, je pense qu'à une chose, c'est comment je vais faire pour me sortir de là. Et j'ai vraiment eu peur pour ma vie, parce que à un moment donné, je me fais tirer les cheveux, et je répète la même chose en boucle. Mais arrêtez, vous donnez une mauvaise image du mouvement. Mais à côté de ça, je regarde autour et je me dis, mais comment je vais pouvoir sortir en vie de ça? Cette belle tour Eiffel. Elle est toujours impressionnante. C'est vrai. Da truslerne fortsætter, vælger Ingrid Levavasseur at droppe sit kandidatur til Europaparlamentet. Je continue. Bon, ben, à tout de suite. Oui, ça marche, à tout de suite. Je suis maquillée pour aller au Sénat. Ingrid skal i nyhederne og tale om den interne splittelse i bevægelsen. Oui, je me pose encore la question parce que je soutiens toujours ce mouvement, je soutiens les revendications premières, je soutiens tous ceux qui souffrent et j'ai vraiment envie qu'on soit entendu. Donc merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. J'ai des 07 qui m'appellent. Je pense que c'est d'autres chaînes télé qui ont dû me voir ici et qui disent « Allez à Paris !» Non, c'est bien, c'est bien. J'ai plus du tout le stress de comment je vais faire, si je fais une bourde, les européennes, parce qu'avant c'était très carré. Là, je m'en fiche en fait, je peux retrouver toute ma spontanéité du début puisqu'il n'y a plus d'enjeux politiques et c'est pas grave. Si je me trompe, c'est pas grave, il n'y a pas de... Voilà, je me ferai pas lyncher parce que je suis une mauvaise politicienne, je m'en fiche en fait. Vous voulez l'adresse exacte? Vous l'avez? D'accord. Je me réveille, je prépare mon petit déj, j'allume la télé et là, qu'est-ce que je vois? Ingrid Levavasseur, la vraie, avec sa sempiternelle force, sa classe naturelle, son discours clair et sans doute. Ça fait du bien de te revoir sur le mur. Courage à toi, va au bout de tes convictions, tu es la meilleure, bise.
Et c'est qui vous a écrit ça? Un collègue ambulancier. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. Anti, anti-capitaliste. Anti-capitaliste. Efter lange overvejelser har Ingrid Levavasseur valgt at gå med til demonstrationen i dag. Men hun bærer ikke længere sin gule vest, og hendes venner, de passer på hende. J'ai eu des menaces de mort, des menaces de viol, des insultes à caractère sexiste. J'ai reçu des courriers, enfin un courrier avec des selles à l'intérieur. J'ai reçu des photos pornographiques. Ça va Sophie? Ah! On te protège, on la protège! Elle est avec nous, elle est bienvenue, les femmes! J'ai tout. Tu veux qu'on le tienne ensemble? Non, ça va. Ouais, bah si tu. Ouais, tu peux me juste prendre en photo si tu veux. Bien sûr. Voilà. Je vais bouger. Voilà. Merci Ingrid. À bientôt. Merci beaucoup. En 2019, on est encore en train de se battre. Flere kommer hen for at diskutere med Ingrid. En af dem er fra hendes hjemegn. On a rapporté un peu ce qu'on pense en Normandie. On est pire que déçus. Je pense qu'à la première réunion qu'on avait fait ensemble, on avait été très clair avec toi quand on avait exposé tes projets politiques. Et je comprends, mais en même temps, à qui je suis mariée? À personne. Je suis gilet jaune dans le cœur et je le resterai toujours, mais de là à le porter, je pense qu'en plus c'est un peu provocateur. Et de parce que j'ai vécu, je préfère ne pas le porter du tout, quoi. Je préfère ne pas le porter. Voilà. Violence sexiste, violence sociale, même combat contre le capital. De ugentlige demonstrationer i Frankrig koster staten et svimlende antal overarbejdstimer til landets politifolk. Elle est épuisée physiquement. Puisque cela fait déjà donc près de 4 mois que chaque semaine elle revient tous les samedis, elle est parfois mobilisée dès le vendredi, encore un peu le dimanche. Mais en plus, il faut voir que nous avons les affaires courantes pendant toute la semaine. Nous avons aussi, il ne faut pas l'oublier, la lutte contre le terrorisme qui a pris un essor extrêmement important ces dernières années en France. Pour nous, c'est un déchirement. Parmi les gilets jaunes, surtout au début, puisqu'aujourd'hui il y a essentiellement des gauchistes et des personnes vraiment de la gauche et de l'ultra-gauche dans les manifestants. Mais au départ, il y avait vraiment de tout. Mon père était un gilet jaune. Certains policiers, à la fin du service, allaient mettre un gilet jaune. Et nous, vraiment, nous pleurons la rupture qu'il y a aujourd'hui entre la police et la population, qui a uniquement été la volonté d'un gouvernement qui a utilisé la police contre sa population pour discréditer un mouvement politique auquel il n'a pas apporté de réponse politique. Hey, c'est pas Hollywood, hein. Ingrid er ved at blive interviewet til fransk TV, da hun bliver afbrudt. C'est mieux d'y aller, hein. C'est mieux d'y aller pour vous. Je m'en bats les couilles, moi, qu'on est filmé. Non, mais je vous dis, filmé ou pas, vous n'êtes pas la bienvenue. Demandez à la puissance. Ingrid Levavasseur trækker sig. Ça va? Ouais, ça va. C'est cool. Il vous a insulté? Il était bourré surtout. Ouais. Il était ivre. Pour rejoindre un peu de manif? Non. Dagens demonstration forløber nogenlunde fredeligt, men en ny venter i næste uge. Tørklæde, hvis der kommer tårgas, og vand, hvis der kommer tårgas. Det er rart lige at kunne vaske øjnene. Sikkerhedshjælp, hvis der kommer brosten. Og så putter jeg alt det her sikkerhedsudstyr ned i sådan en lille kedelig dametaske, for faktisk at virke mindst muligt provokerende, og mindst muligt sådan journalistparanoid, fordi de franske kamerahold, der kommer med sikkerhedsvagter, og altså sådan nogle skudsikre veste her, de provokerer demonstranterne med det samme. Så vi prøver faktisk at virke nogenlunde rolige. Man kan godt mærke, at stemningen er anderledes i dag. Det er mere tændt. Det er stadig formiddag. Der er masser af kanonslag. Der har allerede været lidt sammenstød med politiet. Det er lidt som om, at folk venter på et eller andet, de ikke rigtig ved, hvad er. Og det, er en, det giver sådan en spænding i luften.
Det er lørdag formiddag på Frankrigs mest berømte avenue, Champs-Élysées. Stemningen er anspændt. Jeg forsøger for nogle af de mest hårdkogte demonstranter i tale. Høre, hvorfor de mener, at gadekamp og anarki er vejen frem. De er her, men de vil ikke tale med os. Okay, go. Så du hjælp på? Efter snart 20 uger er de gule veste frustreret over, at demonstrationerne ikke får regeringen til at reagere. I dag lader de vreden flyde i Paris. Og 5.000 politifolk på gaden kan ikke forhindre, at det udvikler sig til kaos. Luften er tyk af tåregas. Ej, jeg har fået ordentligt mundfuld. Efter flere uger med overvejende fredelige demonstrationer, er det gået helt galt igen. I dag, efter mere end 4 måneders oprør, kan de gule veste ikke længere samle 100.000 vis af mennesker i gaderne. Bevægelsen har tabt kraft, fordi mange, både med og uden veste, har fået nok af al volden og alle stridighederne. Men der kommer til at være et Frankrig før og efter de gule veste. Les gilets jaunes ont réussi à faire bien plus que certains syndicats en 30 ans. Les 10 milliards d'euros qui ont été mis sur la table, c'est-à-dire 100 euros, jusqu'à 100 euros pour certains foyers. Ensuite, l'ouverture des grands débats. Donc on peut en penser ce qu'on veut, mais en attendant, ça a permis d'ouvrir le dialogue. Et la fraternité retrouvée entre certains individus. Ingrid er inviteret til at tale i senatet. Hun og andre af bevægelsens hovedpersoner er ikke længere usynlige borgere. Nogle af dem har lagt vesten væk, men deres kamp mod fattigdom er ikke mere en ensom kamp. Monsieur le Président n'a pas compris que même en travaillant, nous ne pouvons vivre dignement. I dag er Ingrid Levavasseur i færd med at stifte en organisation, der skal hjælpe enlige mødre med at få en uddannelse. Hendes revolution, den er fredelig. Næste slag, det er kommunalvalget hjemme i Normandiet. Moi j'aimerais avoir une politique un peu plus humaine, un peu plus bienveillante. Voilà. En tout cas, je ferai de la politique, ça c'est sûr. De toute façon, moi je crois au destin, je me dis que si tout ça se passe, c'est qu'il y a une raison.